Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le 8 de bâton, le pendu, 5 de bâton, 3 d'épée et le 6 de coupe. Alors, vous avez vraisemblablement quelque chose à libérer là, quelque chose à peut-être à pardonner, tourner la page. Tourner la page sur quelque chose ou tourner la page sur, sur un état d'esprit, sur... Il y a un truc là qui vous chagrine et vous avez tout à fait la possibilité en fait de passer au-delà. Vous êtes en train de passer au-delà d'ailleurs... en apprenant à voir les choses aussi peut-être différemment. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 de coupe, une énergie de possibilités. Avec le 7 de coupe, on étudie les différentes options qu'on a. Est-ce que vous avez... je sais pas, une sensation de choix à faire. Le 7 de coupe m'indique que vous avez différentes possibilités. Vous avez, alors, ça peut être des possibilités dans la matière pour quelque chose qui vous préoccupe. Ça peut être aussi intérieurement les différentes attitudes, les différents comportements, les différentes parts de vous pour lesquelles les différents plaisirs aussi. Où est-ce que je prends du plaisir, où est-ce que j'en prends moins? Le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui est dans l'observation. Et on peut tellement être dans l'observation avec le 7 de coupe qu'on reste à observer les différentes possibilités, mais on ne bouge pas. Un peu comme un lapin qui est figé dans les phares d'une voiture. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de ça, parce que votre état d'esprit, c'est quand même le pendu. Avec le pendu, évidemment, on ne bouge pas. Alors peut-être que... Est-ce que vous le subissez ou est-ce que vous le voulez? J'ai deux cartes ici qui ne bougent pas. Qui observent mais qui ne bougent pas. L'état d'esprit avec le pendu, c'est quand même... Je me sens limité. Le pendu, c'est une carte qui vous dit, tu te sens limité, peut-être que tu te sens limité par l'extérieur, mais observe bien les choses sous différents angles, observe les choses sous un autre angle et tu vas constater que tu t'es arrêté, tu t'es limité, tu t'es empêché toi-même aussi. Alors peut-être que vous voulez un moment d'arrêt parce que des choses vont trop vite autour de vous. Ou au contraire, vous vous sentez limité et empêché, vous aimeriez bien que quelque chose bouge. Alors, est-ce que c'est plus d'un côté, est-ce que c'est plus de l'autre? J'ai deux cartes d'observation et d'immobilité avec une carte de mouvement au milieu. Alors, est-ce que vous choisissez l'immobilité parce que ça va trop vite, ou est-ce que au contraire vous avez l'impression de subir une immobilité et vous aimeriez que ça bouge? C'est un peu les deux facettes d'une même pièce, mais la notion d'observation de la situation
pour voir quelles sont les possibilités et aussi peut-être faire un choix. Ça, c'est quand même assez important dans votre tirage parce qu'il y a quelque chose à dépasser. En force, vous avez ce 5 de bâton qui m'indique que vous pouvez dépasser de la rivalité, de la compétition ou simplement entre vous et vous, du conflit intérieur. Dans quelle mesure vous n'êtes pas d'accord avec vous-même sur à propos de différentes options ? Ou j'y vais pas. Parce que vous voulez, alors je vous disais, soit vous voulez 8 de bâton, soit vous voulez que ça bouge. Le 8 de bâton, c'est vraiment du mouvement, c'est beaucoup de communication. Donc soit vous voulez communiquer, vous voulez du dynamisme, vous voulez que ça bouge, vous voulez pouvoir que ça bouge en termes de d'élan, d'énergie, mais que ça bouge peut-être aussi dans la matière, beaucoup d'allers-retours. Voyager, aller voir des amis à droite, à gauche, avoir beaucoup d'activités différentes. Le 8 de bâton, c'est un peu comme un tourbillon. Alors, est-ce que vous voulez ce tourbillon? Et puis, en vous, là, il y a une part de vous qui voudrait que ça bouge et une autre part de vous qui se sent empêchée ou qui, au contraire, veut pas y aller. J'ai un peu les deux, là. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez dépasser ça. Le 5 de bâton, ce n'est pas une énergie qui est très agréable, qui est très confortable, parce que on est dans une... Le 5, c'est l'énergie du changement. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. Donc, c'est pas... C'est jamais très agréable, les 5. Mais j'aime bien le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, c'est une carte qui dit... même si... on a du mal à s'entendre, même s'il y a de la rivalité, de la compétition, même si ça manque de cohésion, tout ça, on a quand même un projet en commun et c'est l'occasion d'aller puiser dans ses ressources pour faire mieux, pour se dépasser. Donc, on vous invite à dépasser ce qui vous chagrine, parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Le 3 d'épée en challenge. Pour certains, il y a peut-être effectivement une tristesse de s'être... est-ce que vous êtes disputé avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée parce que... regardez ces deux nanas là, elles se tournent le dos, les bras croisés, c'est le côté... non, moi j'ai décidé que c'est comme ça, et ben moi j'ai décidé que c'est comme ça, et puis la situation est bloquée. Et on se sent bloqué parce que, sans s'être forcément disputé, mais il peut y avoir dans un, j'en sais rien, dans un partenariat professionnel ou même dans votre couple, vous avez votre façon de voir les choses et votre façon de faire. L'autre a sa façon de voir les choses et sa façon de faire. Et pour l'instant, pour cette quinzaine ou en abordant cette quinzaine, chacun est campé sur ses positions et c'est pas sur sa façon d'être et de faire. Et c'est pas nécessairement qu'on se dispute, mais du coup, ça fait pas avancer le schmilblick. Il y en a un qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche. Bilan des courses, on va nulle part. Ou alors chacun fait ses affaires de son côté. Mais si chacun fait ses affaires de son côté, là, votre envie de communiquer... Bon, mis à part si vous prenez du plaisir à communiquer tout seul, la communication, c'est quand même avec l'environnement. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous chagriner parce que ça avance pas comme vous aimeriez. Mais on vous dit, tu peux dépasser ça. Alors, est-ce qu'il s'agit de dépasser ça en essayant de s'entendre? Parce que j'ai un 6 de coupe en résultat, le 6 de coupe, c'est quand même le pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous avez quelque chose à pardonner à l'autre? Est-ce qu'il s'agit de revenir? Le 6 de coupe, c'est une énergie chaleureuse, bienveillante. Regardez les personnages derrière. Ils ont sourire. On a deux personnages là qui se retrouvent, qui se prennent dans les bras, qui sont heureux d'être ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez dépasser cette situation?
en amenant des retrouvailles, de la joie, le fait de passer l'éponge sur quelque chose. Est-ce que, au contraire, vous pouvez tourner la page sur une situation en... peut-être en affirmant quelque chose. Peut-être que pour certains, ce qui manquait, c'était pas, c'était peut-être justement d'avoir dit, eh ben moi, je veux pas la même chose que toi. Peut-être que vous étiez bloqué parce que il y avait de l'insatisfaction dans une situation où vous aviez pris l'habitude, je ne sais pas si c'est vraiment une habitude, mais dans un partenariat ou dans un couple, vous faisiez les choses à la sauce de l'autre. Et le fait d'affirmer « non, j'ai bien envie de faire des trucs avec toi, mais j'ai envie aussi qu'on les fasse à ma manière. » Peut-être que ça n'avait pas été posé et affirmé. Et du coup, vous vous êtes bloqué tout seul. Et là, vous avez la possibilité d'affirmer, de dire « bon, moi, je veux faire comme ceci, comme cela. » Et on tourne la page sur l'ancien mode de fonctionnement où je me calquais à ce que tu voulais, toi. Ça parlera pas à tous, ça. J'ai l'impression que c'est juste pour certains d'entre vous. Une fois encore, n'hésitez pas à partager dans les commentaires hein, comment ça s'exprime pour vous, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours pour y voir aussi un petit peu plus clair sur ce qui me vient et effectivement comment ça se vit concrètement dans vos vies respectives. Il y a peut-être besoin aussi de... soit de tourner la page sur un état d'être ou sur une situation qui était un peu bloquée pour une raison que vous connaissez mieux que moi. Et le fait de se débloquer, c'est peut-être le fait de prendre la décision de faire ailleurs, de faire autrement, de faire avec d'autres personnes. D'où cette carte de choix et de possibilités au début de votre tirage pour m'extraire de ce qui est bloqué et de ce qui me convient pas. Quelles sont les autres options? Où je vais ramener du mouvement, où je vais ramener de la communication, où je vais voir d'autres personnes? Pour certains, il y a peut-être aussi des retrouvailles, une envie de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps. Et pour des raisons là encore que vous connaissez mieux que moi, cette personne elle vous manque, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu difficile pour arriver à se rejoindre, pour arriver à réamorcer du mouvement, à réamorcer de la communication. Mais c'est pas impossible. Une fois encore, 5 de bâton, on dépasse. Vous avez la possibilité de puiser dans vos ressources et de dépasser cet éloignement ou cette difficulté. Le 3 d'épée en challenge, ça peut être évidemment une blessure, quelque chose qui vous a heurté, qui vous a déçu. Ça peut être aussi... les épées là, qui sont plantées dans le cœur, c'est-à-dire du mental, des idées, des croyances qui empêchent d'être totalement dans le cœur. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui fait mal à vivre, mais on vous dit attention, si tu te sens bloqué aussi, il y a beaucoup de plaisir, donc c'est agréable de voir ce 6 de coupe en résultat de votre quinzaine, parce que c'est une carte de générosité, de spontanéité, d'innocence. C'est l'enfant intérieur, c'est des énergies qui sont simples. Il n'y a pas de calcul, on ne fait pas les choses pour en espérant recevoir, en espérant gagner. Non, c'est simplement
spontané, on aime, on se le dit, on a envie, on fait, on n'a pas envie, on fait pas. Et c'est vraiment quelque chose de très léger, presque enfantin aussi, dans le plaisir. Donc là, on laisse libre cours. On est dans la générosité. On laisse libre cours à ce qu'on aime, à ce qu'on a envie de faire, à qui on a envie de voir. On laisse libre cours à ses élans de cœur. Or, le cœur ne peut pas avoir d'élan si il est entravé par des pensées limitantes. Je peux pas, je dois pas, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire, et patati patata, vous connaissez mieux que moi votre discours intérieur. Donc attention, ce 3DP pour cette quinzaine, sans que ce soit nécessairement quelque chose de désagréable à ressentir, si vous avez envie, et vous avez envie, de communication, de mouvement, de partager, de quelque chose de stimulant, de dynamique, toutes ces petites étoiles, là vous avez envie de choses sympas à vivre. On vous dit attention parce que pour vivre des trucs sympas dans l'élan, il faut aussi débloquer la machine. Là c'est desserre le frein à main. Peut-être lâche-toi la grappe avec, avec des idées ou des pensées qui t'empêchent de profiter pleinement. Et si vous avez un choix à faire, vous cherchez, vous avez des possibilités là, mais vous n'agissez pas, vous ne prenez pas la décision d'aller vers telle ou telle option, parce que le mental aussi s'en mêle. Alors qu'il s'agit de chercher dans le cœur et dans le plaisir, dans le dynamisme intérieur. C'est pas la tête qui a le dernier mot. C'est vraiment le plaisir et les bâtons, c'est cette force vive là qui fait qu'on se lève le matin. Parce qu'il y a une étincelle, il y a une envie. Donc soyez à l'écoute du cœur et ne laissez pas le mental vous empêcher d'agir. Qu'est-ce que vous avez en message ? La sérénité. On vous dit, la sérénité apporte la paix intérieure. Avec ce 6 de coupe, hein, s'il y a des choses à pardonner ou la page à tourner sur quelque chose, du coup, on est serein. La sérénité apporte la paix intérieure. Si tu es serein, alors tu es pleinement toi-même. Et plus rien ni personne ne peut t'influencer, te mettre en colère ou te faire sortir de tes gonds. Tu es dans ce cas comme un lac d'eau claire dont la surface est calme et sans mouvement. Tu es magnifique et tu emplis les autres d'une paix intérieure. Le rayonnement de ta sérénité offre à tous ceux qui entrent dans ton aura espoir et soutien. Tu attires le respect et l'amour d'autres personnes, car elles se sentent calmées par ta présence. Si en ton fort intérieur, tu es pleinement calme et serein, tu entres en contact avec les forces universelles supérieures qui te confèrent une conduite divine. Ta vie prend un chemin où tout devient facile, tout va de soi. Prie en toute quiétude ton ange de faire de toi quelqu'un de serein. Et l'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je suis calme et serein ». Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.